Je suis Mamadi Traoré, élève au groupe scolaire privé La Compassion de Cancan. Je me sens content, très heureux d'avoir atteint cet objectif que je me suis fixé depuis le début de l'année. Sorti premier de la région de Cancan au BEPC section 2024. Ainsi, de rendre fier toute une région en fait. on me traite d'enfant béni. Enfant de fierté, enfant honorable. Mon seul secret, c'est le travail. J'ai dû travailler nuit et jour. Être premier n'est pas diabolique. Et il suffit de se fixer un objectif et suivre cet objectif à la lettre tout en demeurant positif dans la tête. Okay. Bon, le seul message que je lance à mes amis qui n'ont pas eu la chance d'être admis au BEPC, c'est que ce n'est pas la fin du monde. Il doit aussi prendre du courage, avec patience, corriger les erreurs commises pour pouvoir être admis l'année prochaine, tout en gardant aussi l'espoir d'être admis. Comme disait Nelson Mandela, on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Ok, je n'ai rien à leur dire sauf de travailler, de prendre courage, de ne jamais abandonner, peu importe les moyens employés pour y parvenir, il faut s'imposer à tout prix. À l'examen d'entrée en 7e année, j'ai été 4e de la préfecture. J'ai toujours été bien classé. De la 7e année en 10e année, j'ai toujours été premier de ma classe. Oui, je vais continuer avec la compassion parce que c'est une école d'excellence au fait. Cette école, depuis sa création, ne cesse de promouvoir l'excellence sous toutes ses formes dans notre pays. Je remercie le DG, M. Gégé Zoumanigui, pour cette formation. Je remercie le bon Dieu de m'avoir donné la santé, l'esprit de travail pour pouvoir relever ce grand défi.